Alors bonjour, avant de commencer cette formidable année universitaire, on va faire un saut. Cette fois, on va tenter de le réussir à travers les broussailles. Putain de branche. Bon, la branche m'a enlevé tout mon fun. Talia Spargo avec une équipe de type aquatique, c'est ça? Oui. Donc, le son est activé. Les créatures par ici peuvent être mesquines, mais j'ai la peau dure et je suis déterminé à toutes les capturer jusqu'au dernier. Ma collection n'est jamais assez large, mais je pense avoir Si, capturé. bien sûr. Mais je pense que ceux qui ont capturé, j'ai capturé ont un bon punch. Et donc, en fait, c'est un peu du trash mob, mais elle est. Oula, pourquoi elle est tournée vers là? Elle est bien script et ça j'aime ça. Surtout quand on compare ça à d'autres. 8 premiers tours vengeance. Ne fait pas de dégâts. Deuxième tour. Mèche noire. Ne fait pas de dégâts. Troisième tour, il y a grande possibilité qu'on arrive à lui coller un du sang dans l'eau. Ouais, c'est cool. Et là, c'est parfait. Alors là, c'est vraiment parfait parce que du coup, on se bouffe son attaque principale. Je vais commencer avec lui. Bon, on aurait pu faire ça direct. Et on fait la stratégie de la bulle. Pour survivre assez longtemps. Oh non. On ne veut pas survivre assez longtemps. Il va nous recoller un 525. On va le sentir passer, on est mort. Oh non. Plus de chance. Bien. Bon, là on va augmenter les dégâts de la technique. Pas besoin de réussir à le transformer, mais c'est toujours plaisant à voir. Et voilà, on a tué une grenouille. C'était une grenouille. Voilà. Des bisous, à la prochaine.